Il y a 20 ans, où étions-nous ? Il y a 20 ans, où étais-tu ? Que faisais-tu en ce mois de mars quand le virtuose Yehudi Menuhin décédait après une carrière de violoniste hors du commun, l'un des plus grands musiciens du XXe siècle ? New York célèbre cette semaine la mémoire de cet homme que nombre de violonistes du monde arabe connaissent, car Yehudi Menuhin appartenait à ces musiciens qui semblent touchés par la grâce de Dieu, pour qui les arpèges ont une seconde nature, la vélocité, une aisance absolue, une capacité innée à transcender quelques notes, car on l'oublie, la musique, ce ne sont que sept notes, agrémentées de bémol et de dièse, rien de transcendantal, finalement sept petites notes, noires ou blanches, pointées ou inspirées, notes virevoltantes ou parfois d'une gravité accablante, sept petites notes pour que la magie de la musique opère par-delà les frontières. Car Yehudi Menuhin était originaire d'Asie centrale, il a travaillé avec un célèbre sitariste dont on a oublié le nom, mais c'est un type assez formidable qui s'appelait Ravi Shankar. Et ce qu'ils ont joué ensemble était résolument avant-gardiste. C'était presque de la musique fusion avant l'heure, ce jeu très subtil où le changement d'une tonalité va mener l'auditeur d'un univers musical, par exemple occidental, à un autre univers musical, par exemple oriental, arabe. Le voyage de l'un à l'autre se déroule en modifiant simplement une ou deux notes sur la gamme. C'est incroyable quand tu y penses, cela paraît tellement simple pour qui souhaiterait réinterpréter une partition jouée par Yehudi Menuhin, de modifier une ou deux notes pour lui donner une autre couleur, et pourquoi pas une couleur maghrébine, une variation sur thème, aurait dit un certain Johann Sebastian Bach. Alors 20 ans plus tard, pourquoi te parler de Yehudi Menuhin ? Eh bien parce qu'il est bon de se souvenir que dans notre monde, notre triste monde, il existe des instants de grâce. Ils sont rares, c'est pour ça qu'il faut en parler. Ces hommes, ces femmes, artistes, musiciens, plasticiens, auteurs ou autres, ces gens qui t'emmènent vers un autre pas, ils sont là. Et d'ailleurs, la vie a ceci de mystérieux, c'est qu'au cœur des tourments de la vie quotidienne existent des artistes exceptionnels. Ils naissent, ils jouent, ils meurent, comme une saison composée par Vivaldi, peut-être comme un message d'espoir. Alors n'oublions pas que les instants de grâce existent, comme le virtuose Yehudi Menuhin, qui lui aussi, un jour, a existé.